La famille reste ce qu'elle a toujours été, la matrice du vivre ensemble. La famille, c'est sauf de la névrose. Oui, mais on va pas dire ça. Et pourquoi pas? Et j'ai rien contre la névrose. Excusez-moi, monsieur le ministre, il y a votre mère au téléphone. Ma mère? Il faut vraiment que ma touche soit cassée pour que je vous voie. C'est décevant, hein? Ma maman... Parce que tu travailles maintenant? Il est ministre de la famille. Oh, bah c'est bien. Tu vas pouvoir supprimer la loi du mariage pour tous. Oh, Marie-là! Elle est venue pour l'inventaire. Quel inventaire? L'inventaire de Bonne. Elle n'est pas morte, Bonne. Hein, Bonne, vous n'êtes pas morte. T'as vu Marie-Laure? Elle est toujours grosse et moche. Pourquoi tu m'as pas dit que tu venais ici? Tu me l'as pas demandé. Tu regrettes? J'ai décidé de tutoyer mes enfants maintenant parce que c'est grotesque, ce vouvoiement à la longue, non? Tu trouves pas? Et nous, on peut te tutoyer? Ah non! Je suis enceinte. Si je le garde, on se sépare plus alors. Je connais des couples qui veulent pas se séparer. Oui. Mais ils ne séparent pas. Si, il y a des couples qui se séparent. C'est des cons. Ah oui. Et maman est au courant? Que je suis pédé? Non, elle a compris. Et vous l'avez dit à Bonne? Bah évidemment que non. Oui, bah elle le sait. Non, c'est figé. Je sais pas faire semblant, moi. Je suis pas sûre à 100% qu'il soit de toi. Monsieur, excusez-moi, c'est madame Ndongo, elle voudrait vous parler. Il croit peut-être que tu vas sauver la famille.